Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors nous sommes samedi matin, ça fait depuis 3 minutes que je parle à ma caméra et que je ne l'avais pas allumée. Et là, Gemma commence à se réveiller. Donc je vais devoir faire une intro très rapide. Donc on est samedi matin, je ne sais pas le combien d'avril, j'allais dire de février. Je ne sais pas combien d'avril on est. Mais voilà, aujourd'hui j'ai envie de vous embarquer avec moi dans ma petite journée. Alors c'est une journée très tranquille, hein, mais quand même, j'ai des petites choses à faire et j'ai envie de vous embarquer avec moi. Donc là, il est 8h15, Gemma est en train de se réveiller, elle papote le matin, je la laisse papoter tranquillement dans sa chambre avant d'aller la chercher. Samuel dort toujours et moi, bah, ça fait bien une heure et demie que je suis réveillée et j'ai pu laver cette tignasse, ça prend du temps, j'ai pu me préparer et puis voilà, là j'allais prendre mon petit déjeuner, donc infusion et puis bol de ce qui reste dans les placards parce qu'on est samedi, il n'y a plus grand chose, j'ai plus de flocons d'avoine pour faire un porridge, enfin bref. Donc aujourd'hui au programme, je vais aller au magasin bio. Mais là, je vais attendre la sieste de Gemma, je pense, parce que là, elle va se réveiller. Donc, elle ira faire sa sieste vers 11h. Donc, je pense que je vais attendre sa sieste. Magasin bio, parce que j'ai pas mal de petits trucs à racheter. J'ai plus de vinaigre de cidre, enfin, plein de petits trucs comme ça que j'achète généralement au magasin bio. Puisque nous, on fait nos courses exclusivement Lidl. Voilà, pour tout ce qui est épicerie du quotidien, on va dire. on va aussi au magasin bio toutes les 3 semaines à peu près pour acheter des trucs du lait végétal. Je vais acheter là-bas tout ce qui est mes huiles, huile de sésame, huile d'olive, huile de colza. Je vais acheter aussi mon vinaigre de cidre là-bas. Enfin voilà, qu'est-ce que j'achète au magasin bio, tout ce qui est purée d'amandes, etc., etc. Et je vais aussi à la ferme à côté de chez moi ou sur le marché, mais on n'a pas de marché super sympa autour de chez nous, donc moi je vais à la ferme qui est juste à côté de chez moi, qui est dans la même ville que chez moi, qui est à 5 minutes en voiture, et c'est une ferme de producteurs, donc c'est des producteurs du coin qui exposent leur production, donc c'est pas mal. Il y a aussi des choses qui sont pas du tout locales, hein, comme les bananes, voilà, ils font un peu épicerie aussi, c'est là où j'achète la viande quand on a prévu de la viande dans le repas de la semaine, et aussi tout ce qui est fromage, voilà, et puis c'est à peu près tout ce que j'achète là-bas. Et ensuite, sur le chemin du retour, tout ça se situe dans la même ville dans laquelle je vis, sur le chemin du retour, en fait, je vais passer devant Jardiland, et donc c'est le printemps, donc c'est le moment de rempoter mes petites plantes, donc je vais aller acheter du terreau de rempotage, et ensuite je vais acheter aussi une plante pour la chambre de ma fille, voilà, parce que grande nouvelle, Gemma dort dans sa chambre depuis 3 jours maintenant, ça y est, elle ne dort plus avec nous, on a fait du cododo pendant plus de 6 mois, hein, parce qu'elle va avoir 7 mois, quand vous verrez cette vidéo, elle aura 7 mois, le 21 avril, du coup, on a voulu la garder un petit peu plus longtemps. 6 mois conseillés, parce qu'on était trop bien avec elle dans la chambre, mais en fait finalement on s'est rendu compte que on la gênait plutôt qu'autre chose. Elle se réveillait toutes les heures, depuis 10 jours elle se réveillait non-stop toutes les heures, j'en pouvais plus, j'étais fatiguée, donc on a testé de la mettre dans sa chambre dans laquelle elle n'a pas dormi une seule fois en 6 mois, et écoutez ma foi, elle dort mais comme un bébé. Elle dort super bien, donc franchement c'est trop chouette. Et du coup, comme sa chambre on l'avait jamais en fait finalement on l'avait jamais décoré puisqu'on savait qu'elle allait faire du cododo, donc là je me suis dit que ça allait être l'occasion de commencer à aménager très sobrement, très sommairement. Je suis pas très fan de plein de choses qui prennent la poussière, on n'est pas trop déco à fond, mais une plante c'est un peu la base. Et mon amie Claudia m'a dit, si tu prends une plante pour la chambre de Gemma, pense à prendre une plante plutôt dépolluante, comme la plante caoutchouc, l'arbre caoutchouc je crois qu'on l'appelle, et je trouve que c'est une plante tellement mignonne, tellement jolie, que je trouve que ça ira très bien dans la chambre de Gemma, donc je vais trouver ça, je vais essayer de prendre ça s'il y en a à Jardiland. Donc écoutez, je vais vous embarquer dans cette journée avec moi, on va faire tout ça, et puis voilà. Donc il est 11h30, Gemma est à la sieste, donc nickel, c'est le moment pour moi de partir faire tout ce que j'ai à faire en termes de courses. J'ai ma petite liste, j'ai carrément pris le truc tellement je suis partie en speed. Ça c'est le petit truc de liste de courses meal prep qu'on avait
créé à l'époque pour Snackies. On avait offert ça dans une box Snackies à l'époque, donc j'utilise toujours. Je pense qu'avec Dora, on referait bien un truc comme ça pour intention aussi, parce que c'est vraiment pratique. J'ai mis un peu les repas des 3 premiers jours. En général, moi, je fonctionne par les 3 premiers jours. Je fais plus vraiment de meal prep à proprement parler maintenant, parce que avec Gemma et tout, c'est... Même si c'est le truc qui nous a rendu célèbres sur YouTube, disons que c'est quelque chose que je ne fais plus, mais j'aime bien savoir ce que je vais manger quand même les 3 premiers jours, parce que ça sert à rien que je fasse tous les menus, parce que Samuel, c'est quelqu'un qui cuisine énormément aussi, et lui, il sait pas ce qu'il a envie de manger jeudi ou vendredi, donc il y a des jours où je lui laisse totalement. S'il veut faire son rougail saucisse, il fait son rougail saucisse. S'il veut faire du poulet, il fait son poulet. Enfin bref. Mais moi, j'aime bien que les 3 premiers jours, je sache où je vais. Je vais pas vous dire ce que je vais manger les dîners, parce que c'est une vidéo qui arrive. Il me semble que soit vous l'avez déjà vue, soit vous allez la voir dimanche. Donc c'est une vidéo sur nos dîners avec Zedora sur laquelle on travaille. Donc voilà, je vais pas vous les dire. Mais voilà, je vais faire mes porridge. Tous les matins, souvent, je mange que du porridge, parce que même si c'est le printemps, il fait quand même frisqué le matin, donc j'aime bien mes petits porridge du matin. Le déjeuner, ça va être une salade de riz que je vais préparer demain. Je vais faire un meal prep rapide, quoi. C'est en fait le dimanche, je fais plus de meal prep, mais je vais préparer quand même certaines choses. Donc là, demain, je vais préparer quand même une salade de riz que je mangerai avec du maquereau, voilà, salade de riz classique. Je vais préparer du houmous. J'ai envie de manger du houmous en ce moment, j'ai envie. Voilà, je suis dans une période où j'ai envie de remanger des légumineuses, parce que j'ai un peu laissé tomber les légumineuses depuis quelques temps, alors que avant que je sois avec Samuel et que je sois enceinte, etc., j'en mangeais énormément. Et puis Samuel qui mange énormément de viande, et les légumineuses, c'est pas trop son délire, tout ça, j'ai arrêté d'en manger. Et en fait, c'est une grave erreur, parce que les légumineuses, c'est vraiment très 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 intéressant en termes de dans l'alimentation, pour réduire son apport de viande. C'est pas cher en plus, c'est riche en fibres, enfin bref, les légumineuses, faut vraiment les intégrer dans son alimentation. Et là, du coup, j'ai décidé de le réintégrer et refaire du houmous. C'est un truc que j'ai pas mangé depuis une éternité. Avant, j'en faisais tout le temps. Au tout début de mon rééquilibrage alimentaire, avant YouTube, avant Instagram, avant ma vie sur les réseaux sociaux, je faisais pratiquement tous les dimanches du houmous, parce que ça se conserve voilà plusieurs jours, donc c'était vraiment pratique pour moi, pour ma semaine. J'aime bien mettre ça quand je fais voilà des petites salades de riz, etc. Ça fait une sorte de sauce crémeuse, c'est super bon. Donc voilà ce que je vais faire demain. Je vais faire une compote de pommes aussi, et puis voilà, ça va être à peu près ça que je vais faire. C'est très rapide, comme ça fait un meal prep rapide. Et donc là, j'ai marqué ma petite liste de courses que je dois acheter au magasin bio, ce que je dois acheter là à la petite ferme. Donc bah, c'est parti. Yeah. Your face turned rabid and your body was frozen. Think I could hear your heartbeat. Ding out your chest and your sweat and your palms just won't rest. For a second you'll regret it. Almost wanna take it back, but it's too late. Alors je viens de rentrer et voici tout ce que j'ai acheté. Je vais pas vous montrer en détail parce que sinon on y est encore demain. Demain après-midi, mais des choses qui pourraient être d'intérêt pour vous. Bah de faire toujours les mêmes choses, hein. On achète toujours, chaque semaine, toujours les mêmes crudités, les légumes à manger en salade, donc de la salade, des carottes râpées, il y en a toujours. J'ai pris du persil, voilà, les carottes j'ai dit, j'ai pris des pommes comme d'habitude, des œufs comme d'habitude, des oignons, de l'ail. J'ai pris des laits végétaux comme d'habitude. J'ai pris les fameux filets de maquereau au naturel comme d'habitude pour faire ma petite salade composée dès demain. J'ai pris des sardines aussi entières. On conserve. Et ensuite des choses un peu plus anodines. J'ai pris également du riz à sushi parce que Samuel, la dernière fois, il a voulu faire des sushis. Mais on n'avait pas de riz, donc on a juste fait surcuire du riz classique. Mais c'est quand même plus sympa avec du riz à sushi. Et hier il est parti au magasin exotique et il a acheté un tapis, vous savez, pour faire les sushis. Donc on va faire un petit atelier peut-être dans le week-end de sushi. Donc peut-être, on verra bien. Donc en tout cas on en a, donc ça c'est top. J'ai acheté également de la purée de sésame pour faire mon houmous, hein, dont je vous ai parlé. Ça c'est le genre de truc que j'achète une fois tous les 5 ans. Voilà, j'ai acheté de la mozzarella
pour la pizza que je compte faire dans la semaine. Mais ça, vous allez le voir dans la vidéo qui va arriver ou qui est déjà arrivée sur nos dîners de la semaine. J'ai repris ma petite brosse pour ma vaisselle. Moi, j'ai déjà le manche, donc je rachète pas du manche, je rachète juste l'embout. J'ai pris des graines de chia, ça c'est un truc que j'achète assez rarement, mais voilà, j'avais envie. Mes petites crèmes végétales, comme d'habitude, noix de cajou, riz cuisine et une petite béchamel pour les jours de flemme. Des petits pains à burger complets, parce que voilà, on sait jamais, si j'ai envie de faire des petits burgers, c'est facile, c'est rapide. Et puis, quand j'ai pas d'inspiration, c'est cool. Ah, j'ai pris des champignons aussi pour ma pizza, j'ai oublié de vous montrer. J'ai pris du parmesan, du flocon d'avoine. J'ai pris aussi pour la première fois, pour changer, des petits yaourts au lait de chèvre. J'en ai pris 3 petits yaourts comme ça, trop mignons. Après, il faut retourner à la ferme pour leur rendre les pots en verre. Voilà, pour changer. Et puis, j'ai pris un crottin de chèvre. Je crois que c'est à peu près tout. Ah, j'ai pris des pois chiches, évidemment, pour faire mon houmous. C'est mieux avec des pois chiches, quand même. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah oui, si, j'ai pris... J'ai pris également de la purée de noisettes, cajou et cacahuètes. Hier avec Samuel, on a commandé indien et j'avais pris un dal de lentilles corail aux épinards avec du riz. Vous savez, chez les Indiens, c'est souvent très copieux les repas, donc j'en ai mangé hier soir et eh bien, je vais manger le reste ce midi et ce sera parfait. Je vais rajouter un petit peu de persil dessus. Et puis voilà, ce sera le repas express du jour. Il est 15h et quelques, je viens de déposer Gemma à la sieste dans sa chambre, donc du coup je suis dans mon lit, là, présentement. C'est un truc de fou de se dire que maintenant on a récupéré notre chambre, ça fait trop du bien, je trouve. J'ai adoré dormir avec elle pendant ces plus de 6 mois maintenant, mais retrouver sa chambre, quand elle est dans sa chambre pour faire la sieste, je sais que je peux venir dans mon lit. Quand elle dort le soir maintenant à 20h30, je sais que je peux venir dans mon lit tranquillement. Voilà, donc ça c'est vraiment génial. Donc là en général, elle est à la sieste pour 2h à peu près. Donc là moi ce que je vais faire, c'est que comme j'ai bien bossé ce matin, j'ai fait exactement tout ce que j'avais envie de faire, enfin tout ce que je devais faire, tout a été fait ce matin. Donc là je m'octroie une pause en dehors des écrans, le temps de me reposer un peu. Je vais m'accorder 30-40 minutes dans mon lit. J'entends ma fille qui est encore en train de papoter, elle s'endort toujours après avoir papoté avec elle-même pendant quelques instants. Donc là je suis dans le lit, je vais continuer le livre que je suis en train de lire actuellement, dont je vous ai déjà parlé, qui s'appelle Le pouvoir du moment présent. Voilà, je vais lire un petit peu quelques pages. Ensuite, je ferai une petite sieste d'une vingtaine de minutes, je pense, pas plus, parce qu'après, quand je fais des grosses siestes, moi, je suis vaseuse et j'arrive pas à me réveiller. Donc, voilà. Ce soir, c'est soirée sushi avec Samuel, donc on va se faire un petit atelier sushi. Donc, on va s'y prendre tôt, parce qu'après, il faut... Enfin voilà, c'est un peu long quand même quand on n'est pas adepte des sushis comme nous, on ne sait pas les faire. Donc on a acheté tout le matos pour s'amuser à faire ça. Donc ça va être ça ce soir. Et voilà, donc
Parce que à la base je venais vous reprendre pour clôturer la vidéo, mais pour vous dire que finalement hier je vous ai filmé, mais que des petites bribes sans parler, donc il faut que je recontextualise, sinon vous allez rien comprendre. Donc hier matin c'était objectif chambre de Gemma, donc c'était de faire du tri dans sa chambre. Donc je vous laisse avec les images pour vous montrer tout ça. Ça c'est l'état de la chambre avant rangement. Donc là, la baignoire qu'on avait achetée sur le Bon Coin pour 10 balles, qu'on a utilisé je crois 3 semaines, et après on a fait le bain libre, donc aucun intérêt, on l'a plus jamais utilisé, donc on va le mettre sur Give. Nous on met en général tout ce que l'on veut pas vendre, on met sur Give en fait, vu que c'est un site de dons. Enfin, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour que vous alliez regarder, mais nous, dès qu'on veut faire des dons, donc tout ce qu'on veut pas mettre sur le Bon Coin, ça part sur Give. Donc là, il y a quand même pas mal de trucs à mettre. Hein. On doit mettre la baignoire de la petite. Là, bon, pas le iPad, hein, mais là, c'est plein de vêtements que je vais mettre sur Give, des vêtements de 3 à 6 mois. Et ça, c'est le carton qu'Isadora m'a donné de tous les vêtements d'Alba d'un an. Voilà, parce que là, ma fille Gemma, elle vient d'avoir 7 mois. Enfin, elle va avoir 7 mois quand vous allez voir ce vlog. Et elle m'est déjà du 1 an. Donc, Isadora m'a donné plein de fringues. Donc, il faut que je fasse le tri. Là, ma fille est en train, avec son père, en train de prendre le bain. Donc, voilà. Donc, c'est plein de petites tenues dont il faut que je fasse le tri et que je mette dans son dressing. Là, c'est son petit dressing. Là, voilà. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose parce qu'on avait tout mis dans la chambre de sa sœur pendant un petit temps parce qu'on faisait on rangeait d'autres choses dedans. Donc là, je vais pouvoir tout mettre dans son dressing. Donc, ça va être pas mal. Ça va être une grosse partie de ma journée, je pense. Et après, voilà, il y a pas mal de trucs à ranger. Ça, typiquement aussi, à mettre sur Give. C'est un... Alors, attendez. C'est un joli, en plus, c'est un joli truc, vous savez, que vous mettez sur... Ah bah, il chante maintenant. Que vous mettez sur les... sur le berceau de votre bébé, quoi. Et puis, voilà, c'est un petit mobile trop cute qu'Isadora m'avait donné. Et en fait, bah, Isadora l'avait acheté, elle s'en est jamais servie, puisque Alba n'a jamais dormi dans sa chambre. Et moi, je m'en suis jamais servie, puisque Gemma a dormi avec nous jusqu'à ses 6 mois. Et que maintenant, voilà, elle est trop grande, voilà, pour... utiliser ça, je l'utilise plus. Un radiateur qui doit virer. Enfin, ici c'était un débarras. Hein. Faut imaginer que pendant 7 mois ça n'a pas été une chambre utilisée. Donc là, le but c'est vraiment d'en faire quelque chose de sympa. You got these issues. You've cried all of the tissues. You tried to forget me. I'd love some way to fix you. Kinda just wish you never even met me. Donc c'est top, on a mis tout ce qu'il y avait à mettre sur Give. Il y a deux choses qui sont déjà parties hier, donc vraiment nickel. On avait mis des couches aussi parce qu'il nous restait des couches Tidou de taille 2 et 1 dont on ne savait pas quoi faire et qu'on ne voulait pas jeter. Donc on a mis ça sur Give. Franchement, ça nous a permis de bien tout délester. Et ensuite, j'ai fait du meal prep, mais du meal prep très rapide. J'ai préparé des petites galettes de lentilles corail, des graissins au sarrasin, j'ai préparé des pickles, d'oignons rouges, j'ai préparé du houmous. Comme ça me permet d'avoir pas mal de petites choses pour assembler mes repas dans la semaine. Et ensuite, après avoir fait une bonne grosse sieste, Gemma et moi, chacune dans nos chambres respectives, et Samuel, lui, il a joué à son jeu vidéo dans le salon, on est parti se faire une grosse balade, c'était hyper agréable, c'était vraiment, ça a fait énormément de bien. À chaque fois, je le dis, hein, mais on regrette jamais d'avoir mis le nez dehors, même si parfois c'est difficile, on a la flemme de sortir. Mettre le nez dehors, en plus nous on habite dans un coin où il y a tellement de verre, c'est de la chlorophylle partout, c'est magnifique, donc ça nous a fait grand bien. Et puis voilà, après on n'a rien fait de particulier. On a commencé la série qui s'appelle
qui a tué... Qui a tué qui ? Je ne sais plus. Qui a tué Sarah, qu'on aime beaucoup. Donc on va continuer ça, je pense, les jours prochains. Et on a terminé aussi la série qui s'appelle Le Serpent, qu'on a vraiment adoré aussi. Donc voilà, c'est deux petites séries sur Netflix que je peux vous conseiller. C'était un week-end fort productif, mais fort sympa. J'ai pas du tout pris le temps, hein, de rempoter mes plantes, mais ça, j'ai tout maintenant pour le faire. Donc pareil, ce sera courant de la semaine. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai pris plaisir à revloguer. Donc là, je vais lire quelques pages de mon livre et faire un petit somme avant de continuer la journée. Là, c'est bon, je l'entends plus. Donc c'est bon. Elle est en train de dormir avec sa petite berceuse. À bientôt. I still think about